Et salut à tous, c'est Uju, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Avatar Frontier of Pandora. Et alors, on va aller tout droit vers l'ouest pour essayer de trouver. Ce qui nous manque, c'est, je sais plus, les champignons, je pense qu'il nous manque. Donc on doit essayer de trouver des champignons. Hop, attendez. C'est pas ce qu'on cherche. Bonjour, approche. J'ai quelque chose à te dire. Ok. Salutations. Quel plaisir de rencontrer une amie. Bonjour. Il y a un totem de ton clan tout près. Tu veux le voir ? Oui. Ben on va aller voir ça alors. Hop. Tour. Je ne sais pas. Il n'y a rien ici. J'essaie toujours de trouver un champignon pourpre. Alors, on va continuer vers l'ouest. Je ne suis pas là. Tut tut tut. Regardez. Alex, je suis devant un de tes labos. Il est vide et complètement éteint. Je peux utiliser ces labos, tu crois ? Écoute, la résistance recrute de plus en plus d'alliés. On va bien finir par repousser la RDA. Et ça pourrait nous aider de remettre en marche ces labos. Entre et regarde ton seed. Il devrait capter un signal du système d'alimentation du labo. Scanne le sol, les murs et connecte les onduleurs au disjoncteur principal. Ça devrait fonctionner avec n'importe quel labo de la frontière occidentale. Ok. J'ai plein de quêtes du coup. Ça doit être le labo de la résistance. Commencer. Commençons par rentrer dedans. Dehors, ok. Alex, j'ai réussi. Le labo est de nouveau en marche. Parfait. Vive-moi. Je commence déjà à recevoir des données. Il se passait tellement de choses dans ces labos. Mais la plupart des recherches et leurs précieuses données ont été abandonnées. Il devrait y avoir un terminal connecté au QG. On va voir si ça fonctionne. Tu peux essayer d'utiliser le terminal, s'il te plaît ? Ça ici ? Alex, tu m'entends ? Nice. Celui-ci dans chaque labo. N'oublie pas de les regarder en passant. Qui sait ? Quelqu'un du QG pourrait avoir des infos intéressantes. Qui sait ? Bon, je te laisse tranquille.
Très bien, c'est tout. Ah, la pollution, ok. Ça permet d'avoir des endroits et pas de revenir au QG de la base, QG de la résistance à chaque fois. Station de cuisine, lieu de repos. Il faut que je continue à aller vers l'ouest, hein. Totem Sarentou. Ok, on a trouvé. Quête, ici. Explo, il n'y a pas sur le totem. Non. Ok, on va quand même aller vers l'ouest. Peut-être quelque chose qu'on va pouvoir trouver. Et en quête, on va remettre... Le repas ? J'en ai pas du tout, ça. Et en plus, on est de nuit, donc c'est le moment pour aller trouver des champis. Hop, ici. Hop, ici. Alors, je tiens à m'excuser, j'ai remarqué qu'il y avait eu un souci sur la capture. Maintenant, je peux pas recommencer parce que j'ai pas c'est des sauvegardes auto, donc on peut revenir avant. Donc, je vous laisse avec la mauvaise qualité, mauvaise caméra pendant 6 minutes et on reprend avec la bonne caméra ici. Oui, c'est moi, je suis un gentil. Bienvenue. Tu as l'air curieuse. C'est une grande qualité. Oui, oui, mais Osef. Tiens, ici. Enfin, juste redescendre un peu. C'est pas ce que je cherche. Ils vont décider de pas m'en donner, j'ai l'impression. Ouf. Surtout qu'il y a du monde là-bas. Donc on va rester caché. Ouais, beaucoup de monde. Très bien. Alors, est-ce que j'en suis loin? Non, le totem Sarentou doit être ici. Il est peut-être là-haut.
Non, hop. Ouais, il est en haut. Pas facile, mais on va y arriver. Hop, allez, grimpe, nickel, une corniche. Et ensuite. Allez. Vous voyez pas grand chose, vous inquiétez pas, moi non plus. Hop. Une sorte de totem. Très bien, je le laisse. Il paraît familier, d'une certaine manière. Rinella, j'ai trouvé quelque chose. Je pense que c'est un vieux totem. Les couleurs sont un peu parties, mais ça a l'air Sarentu. Un autre totem de notre peuple. Nous en avons vu un aussi. Un autre ? Alors il doit y en avoir encore plus. Sûrement, oui. Nora a également vu des symboles près du totem. Est-ce qu'il y en a près du tien ? Il se demandait si les symboles pointaient dans une certaine direction. Comme pour lui montrer... Attends. Allez, viens. Je pense que c'est bon. Il se demandait si les symboles pointaient dans une certaine direction, comme pour lui montrer la voie. Et il a vu quelque chose ? Il a vraiment essayé. Il les a fixés longuement, mais il n'a rien senti. Je pense que Noj n'a pas été assez patient. Nos ancêtres voulaient sûrement que nous voyions quelque chose. J'aimerais essayer. Peut-être que je trouverai le bon angle. Ah mince. Le totem. C'est dans quoi ? C'est dans ici alors ? Observer depuis le bon endroit. Et c'est quoi le bon endroit ? Est-ce qu'il y a un truc pour moi ? Il est où le totem maintenant ? Alors déjà, prenons ça. Ah mince.
C'est d'autres fouilles à coque. On va aller en chercher. Il n'y a pas de pluie, mais c'est pas grave. On a des fruits à coque. Ah, mais justement, il y a... Oh. Faut regarder. Ça m'indique peut-être l'endroit où il y a le bon angle, je sais pas. Non, ce sera pas ici. S'il y a un truc de bon angle, c'est pas ici. Alors, on va regarder depuis le bon. Suivez les marqueurs pour. Peut-être ici autour. Ce qu'il me faut, c'est un truc pour monter dans cet arbre. Ça, c'est un fruit à cosse. À coque. C'est pas ce que je cherche. Rien pour monter. Non. Est-ce qu'il y a un truc dans l'arbre qu'on pourrait faire tomber? Non. Je vais retourner auprès du totem. Alors, on va regarder. Quête. Suivre. Hein. Oui, mais ça... On va repasser. Quand je ne sais pas et que j'ai pas envie de perdre de temps, on passe comme ça. Suivre les marqueurs. Tac. Ici, il y a toujours un marqueur. Du coup, ça m'aide pas, je vais repasser en mode explo. Ah, ici. Là, on en a un qui m'indique d'aller par là.
Il m'indique d'aller par ici. Ok, là on a quoi? On a des coques encore, c'est pas grave. Ça m'a pas beaucoup aidé vu que ça me ramène près du totem. C'est pas ça ? Ici. C'est celui-là. On est d'accord. Qui nous dit d'aller ici. Qui nous dit d'aller là-bas. Jusqu'à celui-ci. Celui-ci nous dit par là. Direction sud-sud-est. Et là, il y en a un autre. Ok. Très bien. Et celui-ci nous dit d'aller par là. Alors, je vais revenir dessus. Tac. Ici. Par là. Ici, il nous dit de monter. Par là, et on tourne en rond, j'ai l'impression. Je reviens en arrière. Où était-il ? J'ai perdu. J'ai perdu là où je devais aller. Justement, au pied de celle-ci. Je vais pas m'en sortir. On est reparti, hein. Hop, lui me dit d'aller par là. Hop, jusqu'à l'arbre ici.
cet arbre, il me dit d'aller par là, jusqu'à ici. Là, il me dit d'aller à gauche. Ici. Là, dans les falaises, elle me dit de... ça me dit de monter. Ici, ça me dit d'aller par là. Ok, jusqu'à celui-ci qui me dit d'aller... par ici. Jusqu'à... ah, ici. Le totem. Ok. Il regarde l'arche géante. Une imposante formation rocheuse. Et pourtant... je ressens... je ressens... de la chaleur. Je me demande combien de personnes ont voyagé sous ces arches de pierre. Beaucoup. C'était un lieu de rencontre, peut-être. C'est étrangement accueillant. Même après tout ce temps, elles sont toujours debout. C'est presque comme si... si elles me disaient « Bienvenue chez toi ». C'est bon ? Ok. Est-ce qu'on a d'autres totems dans le coin ? Pas que je sache, hein. Moi, il faut que je retourne vers l'ouest. Vers l'est. Et dans les quêtes, on va continuer. Parce que c'est que des quêtes à long terme. Je dois aller chercher ça. Ça, c'est encore du fruit. Toujours pas de champignons. On va explorer comme ça. Peut-être qu'on tombera sur le champi qu'on cherche. Bien. Là, on est quoi? C'est des animaux, je pense. Exapète, c'est pas du tout ce que je cherche. Continue vers le sud-est. Ouais. Là où il y a les branches, les grandes racines. Ce que je cherche. Mais je suis sûr, on n'est pas loin.
Là, il y a quoi? Là, c'est des navis, je pense. Allez. Tu as entendu? Nous t'entendons. Tu peux sortir de ta cachette. S'il faut que j'aille plus au sud, peut-être. Oh, bonjour. J'espère que la forêt t'a apporté de la joie. Oui, toujours. Mais je dois chercher un truc. Allez, donnez-moi ce que je cherche, hein. Sérieux. Je ne vende pas grand-chose, il me semble. On va aller dans le guide des chasseurs, champi pourpre. Sur les grosses racines et les grandes lianes de la forêt de Kinglore, dans les terres marécageuses. Donc il faut que je retourne là où il y a des grosses racines. Il faut que j'aille dessus. Montrez-moi une grande racine. Là. Là, on en a une. C'est quoi ça? Est-ce que c'est ce que je cherche? Ok. Donc maintenant que j'ai les deux. Quête. Maintenant que j'ai ça, je peux. Noble ou sublime, d'accord. En gros, il faut que j'ai un. Faut attendre la nuit pour cela. Il faudra attendre qu'il pleuve pour les autres. Allez, il faut que j'en retrouve un du coup. Hop. Il faut que je retrouve une autre grande racine avec des champignons dedans, c'est ça? Ah. Là, il y en a un. Meilleure qualité de nuit. Vous savez quoi, moi je vais... Il se met à pleuvoir. Alors, est-ce que je peux mettre un marqueur ici? Et un marqueur personnalisé. Voilà. Et je vais retourner vers l'ouest pour essayer de trouver des fruits à coque. Alors, hop, où es-tu?
pas ici. Continue vers l'ouest. Pas facile. Je suis trop parti au sud, faut que je rentre dans la forêt. Là-bas, c'est des gens. Mais ça peut être utile. Oui, ça fera l'affaire. Une Sarentou. Bonjour. Bonjour, mais désolé, je cherche des trucs. Là-bas, il y a l'air d'y avoir quelque chose. Ok, donc maintenant, est-ce qu'il est de bonne qualité ? Convenable ? Non. Je retente et sinon tant pis. J'ai bonne récolte et ça reste du convenable. Comment on fait pour avoir du... Elle pousse abondamment, on s'en fout. Moi, je veux savoir comment. Meilleure qualité, ça me m'aide toujours pas. Mais là, je pense que j'en ai récolté beaucoup. Il y en a pas un seul qui soit bon, quoi. Convenable, toujours. Pas vraiment, mais pas comme s'il m'avait laissé le choix, quoi. Alors, peut-être qu'on peut en manger, si on en a trop. Donc,
On va s'arrêter ici pour cet épisode. L'épisode prochain, on ira faire une quête qui a du sens, parce que là, ça m'embête beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'on a pu découvrir un peu plus Pandora. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, sinon laissez un pouce rouge, laissez vos commentaires, je les lirai et y répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, mais également les autres séries qui sont sur la chaîne. Sur ce, on se laisse, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.